Bien, mesdames et messieurs, bonjour, je déclare la séance ouverte. Avant de débuter, je voudrais vous faire part d'une information qui a ému la collectivité. En effet, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'Aurélie Sédine, qui est agent de la municipalité. Son décès est survenu le 19 juin dernier à la suite d'une tumeur cérébrale. Elle était au service jeunesse, elle a commencé en tant qu'administratrice et puis elle a évolué au pôle administratif de ce même service. Le service jeunesse, elle vient de perdre un rayon de soleil qui neige chaque jour le quotidien de ses collègues. Elle n'avait que 28 ans et elle laisse un petit garçon, un tout petit garçon de 5 ans. Je vais vous demander d'observer une minute de silence. Marianne Dorme de développement durable. C'est Marianne Dorme qui me tient à cœur puisque on l'a eue grâce à des enfants qui étaient engagés sur la lutte anti-gaspillage. Le système était suivant, c'est-à-dire chaque enfant, lorsqu'il rentre dans le restaurant scolaire, a deux petites cartes. Fin de l'eau ou appétit de moineau, il présente sa carte sur son plateau et on le sert en conséquence, donc peu de gaspillage. Puis ensuite, ces déchets qui sont triés par les enfants sont pesés et chaque mois, eh bien, on remet la fourchette d'or à l'école qui a fait donc le moins de gaspillage. Voilà, je voulais vous faire passer un petit film d'ailleurs, puisque une chanson a été réalisée par les enfants de l'école Jean Jaurès, si on peut la diffuser. Thank you.
Bah, félicitations à ses enfants, des enfants responsables. Et donc cette Marianne, elle leur est dédiée. Sur plusieurs conseillers de l'opposition ont indiqué samedi ne pas avoir reçu un mail du secrétaire général pour l'envoi de la première partie du conseil municipal. J'ai fait vérifier, tous les mails ont été envoyés. En tout état de cause, chaque envoi, vous savez, du conseil municipal est doublé d'un envoi du dossier papier et pour garantir les délais légaux de 5 jours francs. Et de plus, un envoi du dossier entier est effectué via WeTransfer. Donc, ils peuvent charger le dossier complet et en prendre immédiatement connaissance. On peut aussi rappeler que l'ordre du jour est affiché le jour de l'envoi, donc vendredi dernier, sur le panneau administratif devant l'hôtel de ville. Donc, il n'y a aucun défaut d'information des conseillers et les convocations sont donc bien parties dans les délais légaux. D'ailleurs, je voulais dire qu'à partir du prochain conseil municipal, on pourrait utiliser la plateforme qui s'appelle Fast Élu pour télécharger des délibérations. Cela donc évitera l'envoi des mails qui sont parfois volumineux et votre présentation d'ailleurs vous sera faite dans quelques instants. Monsieur Posé-Marin, vous voulez intervenir? Oui, bonjour. Effectivement, il y a des soucis d'envoi des dossiers. Je pense qu'il y a deux ou trois mails qui ne sont pas partis, sans doute à cause des pièces jointes qui étaient trop lourdes. Néanmoins, même dans le fichier WeTransfer, il n'y avait pas non plus l'ordre du jour. Alors effectivement, il y avait le dossier coupé, il n'y avait pas l'ordre du jour. Voilà. Et alors, on va parler de la Smart City. Je pense que de nous demander d'aller voir le panneau d'affichage en bas de la mairie pour suivre l'ordre du jour, je pense que c'est un peu anachronique. Bon, ça, le site internet également. Le site internet de la ville Il y a quelle heure? Il y a quel jour? Le soir même, le vendredi. C'était le vendredi soir. Là. Vendredi à 22h, ok. Et en ce qui concerne le papier, vous savez qu'en plaçant judicieusement les conseils municipaux le jeudi, ça fait que l'envoi part le vendredi soir, donc on reçoit les dossiers papier, le premier passage du facteur le lundi, ce qui veut dire qu'on peut prendre les dossiers, on peut récupérer les dossiers à la poste le mardi à partir de 16h, ce qui fait qu'en fait on a non pas 5 jours, mais un peu plus de 24 heures pour regarder les dossiers papier. Donc, heureusement qu'on passe sur un mode électronique à partir du mois prochain. De toute façon, vous avez le site internet, vous pouvez aussi regarder. Est-ce qu'on peut faire entrer donc la personne qui va nous parler justement de Fast Élu, si vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner? Bonjour. Je suis Nicolas Laurie de Docapos Fast, tiers de T-Transmission. Nous sommes là pour sécuriser vos envois donc de données pour les convocations. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide. Vous allez recevoir un email de ce type que vous pouvez donc voir à l'écran. Attendez juste que je le retrouve de mon côté, voilà. Vous pouvez observer donc le texte habituel et vous aurez donc des liens pour pouvoir vous connecter sur la plateforme Fast Élu. Donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez donc directement sur une page où vous devez donc saisir votre identifiant et mot de passe qui vous sont évidemment communiqués par email. Et ensuite vous accéderez au masque. Simplement un petit mot, est-ce que tout le monde a envoyé le formulaire? On vous a envoyé les formulaires, oui. Je pense que chacun l'a reçu. Oui. Maintenant, il faut vous les renvoyer. Ensuite, quand vous êtes connecté, comme vous l'observez, il y a donc un calendrier. Il vous suffit donc de cliquer sur le conseil en question. Vous accédez donc à l'ordre du jour. Vous pouvez donc observer à l'intérieur les premiers éléments. Là, évidemment, ce sont donc des fichiers de test que nous avons déposés pour les présentations. Hein, c'est pour les formations. Et quand vous descendez, vous trouverez par exemple ici une délégation de pouvoir. Et là, plus bas, vous aurez donc l'ordre du jour comportant justement les points. Donc, vous pouvez voir donc le titre, l'heure, le lieu où ça va se passer. Et évidemment, en dessous, les points qui seront donc débattus. Vous pouvez cliquer sur les liens PDF pour faire apparaître les fichiers en question. Vous pouvez même directement les télécharger en un seul bloc via un lien si vous désirez faire une copie, par exemple, en local sur votre ordinateur. Donc, les supports informatiques, ça peut être le PC, ça peut être la tablette. C'est possible aussi sur tablette, effectivement. Aussi bien PC que tablette. Sur tous les navigateurs, Internet, Firefox, Chrome, ils fonctionnent. Y a-t-il des remarques, observations? Non, si ce n'est pas le jour, merci, monsieur Laurie. Ça le fera. Donc, je vous propose que Anne-Marie Selem, eh bien, assure le secrétariat. Je mets le voix cela qui est pour.
pour les pauvres. Voilà, je vous remercie. Donc, voilà, ça peut bien me rejoindre et procéder à l'appel nominal. Madame Zicale Pireno, présente. Monsieur Duet, Madame Abkari, Monsieur Pénassier, bonsoir, Madame Abkari, Madame Slem, présente. Monsieur Ballet, Madame Pallard, Monsieur Franquet, bonsoir, Madame Girard, Madame Girard. Monsieur Cavalier, bonsoir, Monsieur Comon, Madame Hurtel, Monsieur Bernasconi, Monsieur Comon, attendu, Monsieur Bernasconi, Monsieur Passard. Merci. Madame Madrid, présent. Monsieur Marchioni, présent. Madame Dubus a donné le pouvoir à Monsieur Marchioni, Madame Lacontal, Madame Tropena a donné mandat à Madame Madrid, Monsieur Baptiste a donné le pouvoir à Monsieur Guenem, Madame Couder a donné le pouvoir à Madame Smadja, Monsieur Chambeau, présent. Madame Smadja, Monsieur Moreau-Duchère, présent. Monsieur Guenem, présent. Madame Renouf a donné le pouvoir à Madame Messaouden, Madame Messaouden, Monsieur Sturbois, présent. Monsieur Malvergne a donné le pouvoir à Monsieur Sturbois, Madame André a donné le pouvoir à Madame Cazenave, Madame Castan, Madame Le Breton, Monsieur Bouchandom a donné le pouvoir à Madame Le Breton, Madame Herman à Madame Anne-Célène, Monsieur Métivier, présent. Monsieur Lotto a donné le pouvoir à Monsieur Rousset, Monsieur Rousset, présent. Madame Hardy a donné le pouvoir à Monsieur Poisarara, Monsieur Grébert, présent. Madame Sirsalan, Monsieur Poisarara, Madame Jeanne, Monsieur Aubourg. Je vous remercie, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. La question numéro 3 concerne le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 avril 2019. Conseil municipal au cours duquel nous avons voté le budget 2019, fixé le taux des trois taxes communales de la TOM et voté les subventions pour le CCS et pour l'Office HLM. Y a-t-il des remarques, observations? Oui, M. Prévert. Oui. Eh bien, nous votons contre ce procès verbal qui ne rend pas compte des interventions de chacun. Je veux dire que le résumé de la discussion sur Marie, résumée en une ligne, me choque particulièrement. Et je pense à elle ce matin, Marie qui, je vous rappelle, dort dans sa voiture depuis plusieurs mois après avoir été expulsée et vient chaque jour dans le hall de la mairie pour tenter d'avoir un rendez-vous auprès de vous. Après avoir eu quand même quatre propositions. Toujours, mais nous savons dans quelles conditions. Donc nous votons contre ce procès-verbal qui à la fois ne rend pas compte de nos interventions et dans lequel les explications de vote des élus de l'opposition ne sont pas indiquées. Très bien, donc je prends note. Donc je mets aux voix, qui est contre, garde, qui s'abstient, ce procès-verbal est adopté. Question numéro 4, il s'agit de communication. Les communications relatives aux décisions que j'ai prises en vertu de l'article L21-22-22 du CGCT concernant les fixations de tarifs, fixation de la redevance pour l'occupation de l'esplanade d'hôtel de ville à l'occasion de la fête foraine enfantine, fixation de tarifs d'accès au bassin du palais des sports à l'occasion des manifestations de la ville d'eau et signé-pessine, vous savez, c'était le centre de la fête qui a été projeté. Fixation des tarifs pour la location des hébergements de la résidence des Trois Mots à Pleumeur pour la saison 2019, donc c'est le même tarif que l'année passée. Fixation des tarifs de l'hébergement et des séjours de la résidence Marie de Capone, donc pas d'évolution également. Fixation des tarifs des produits vendus au sein des résidences des vacances de la Marie de Capone et des Trois Hameaux. Donc c'est de nouveaux produits qui sont rajoutés, comme la barbe à papa, les gaufres ou le pop-corn. Fixation de tarifs pour les exposants participant au salon des créateurs. Fixation de redevances d'occupation du domaine public pour l'exploitation de stands de restauration dans le cadre de la chasse aux œufs. Fixation de redevances d'occupation du domaine public à l'occasion du vide-grenier organisé par la PAC. Fixation d'une redevance d'occupation d'un montant de 33 000 euros par an pour la mise à disposition du bâtiment du centre hospitalier Rive de Seine. Concernant les mises à disposition, mise à disposition de diverses salles au profit de syndic. Mise à disposition également d'un terrain communal, un enterre au profit de l'association Solidarité Islamique de Puteaux, moyennant une redevance mensuelle de 1 575 euros avec une provision pour charges mensuelles de 1 200 euros.
mise à disposition à titre gracieux des infrastructures du village de vacances La Parisse de Caprolles pour l'accueil des enfants du centre aéré de la ville de Bizonnage. Mise à disposition à titre gracieux d'une salle municipale pour l'association Appel Saint-Joseph, c'était juste pour une soirée. Mise à disposition d'un espace au sein de la résidence des Trois Rameaux à Plumeur offrir M. Le Talex et pour l'organisation d'un repas de famille. Mise à disposition à titre gracieux de la salle du hall des sports offrir de l'association catholique portugaise de Puto pour la coupe folklorique. Mise à disposition de la salle Gramont au profit de la musique des sapeurs-pompiers. C'était l'organisation de deux concerts et je rappelle que l'intégralité des bénéfices récoltés ont été versés à l'association pour nos blessés. Concernant les régies de recettes, donc des modifications de régie, c'est-à-dire qu'il suffit de... Enfin, c'était des modifications pour soit ajuster le montant des recettes, soit augmenter les fonds de caisse. Donc vous en avez toute une série. Concernant les renouvellement d'adhésion à l'association élus locaux contre le sida, concernant les autorisations d'urbanisme, dépôt d'un permis de démolir pour le bien situé 112 avenue du président Wilson, il s'agit donc des bergères, dépôt d'une déclaration préalable pour l'ancien conservatoire situé 157 rue de la République, il s'agit d'installer donc un local technique souterrain. Concernant les baux et locations, approbation d'un avenant au bail commercial au profit de Madame Vanilla Buet, portant sur un local de la cité artisanale, approbation également d'un bail commercial au profit de la SAS Tikitaki, toujours à la cité artisanale, bail commercial au profit de la SRL Biojuste sur un local relogé à l'échelle berger, approbation d'un contrat de location meublée à usage d'habitation, ça c'est le contrat pour la résidence des étudiants et jeunes apprentis. Concernant les subventions, on a quelques demandes de subventions, une subvention d'investissement auprès de la préfecture de région pour la passerelle cyclopiétonne. Subvention également auprès du Conseil régional de l'Île-de-France pour l'achat d'équipements à destination des forces de police municipales de la ville de Puteaux. Subvention d'investissement au titre du Fonds d'investissement métropolitain auprès de la métropole donc du Grand Paris pour l'acquisition d'un monitoring automatisé de la biodiversité. Subvention d'investissement auprès de l'État au titre de la dotation globale décentralisée bibliothèque pour l'année 2019. Subvention également au titre du Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants auprès de la Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine pour des travaux de rénovation et de modernisation de la crèche des Jardins, même chose pour la crèche des Lutins, même chose pour la crèche des Coccinelles et même chose pour la crèche des Câlins. Ah, j'ai oublié aussi la crèche des Arcades. Demande de subvention auprès de la Fédération française de football pour la reconstruction des vestiaires dans les tribunes de foot. Demande de subvention également auprès de la Direction générale des affaires culturelles pour les travaux de restauration de l'église Notre-Dame de Pitié. Demande de subvention pour la construction du clubhouse situé dans les tribunes de rugby. Concernant les donations, acceptation d'une donation à la ville par Mme Petit d'objets et documents de la Seconde Guerre mondiale et relatifs à l'histoire industrielle de la ville. Et comme d'habitude, vous avez dans vos dossiers la liste des sous-traitants, des marchés et des avenants. Y a-t-il des questions, des remarques sur les communications? Oui. Monsieur Prévert. Oui, plusieurs précisions dans ces communications. Il y a tout d'abord une demande de subvention à la DRAC pour la restauration de la vieille église. Alors nous sommes heureux qu'enfin ce dossier semble en tout cas progresser. C'est un peu lent, mais mieux vaut tard que jamais. Quel est le montant de cette demande de subvention et est-ce que ça couvre la totalité du coût des travaux envisagés? Bien sûr que non. C'est 30% maximum du montant des travaux. D'accord, et donc vous prenez en charge le sol? Oui, on a eu des aides du conseil départemental et du conseil régional. Pour quelle proportion? Alors 67 000 euros financés par le conseil départemental, 131 000 financés par le conseil régional, 191 000 financés par la direction régionale des affaires culturelles, et donc il reste 248 000 à la charge de la ville. Bien, il aura fallu du temps, hein. Ah, mais c'est pas nous. Heureux comme notre action. Ce n'est pas nous, monsieur. Non, mais attendez, avant de vous raconter tout votre laïus, ce n'est pas nous qui décidons de cela. Vous savez que cette église, elle est classée monument historique, et par conséquent, c'est la direction régionale des affaires culturelles de la région, des affaires culturelles, qui décide et qui monte ce dossier, qui regarde si justement les travaux peuvent démarrer avec justement l'entreprise de leur choix. Eh bien, nous sommes heureux que ce dossier soit débloqué enfin, après plusieurs années. Alors, vous avez très content de vous rendre heureux. Mais c'est bien. C'est bien. Alors, autre question, autre demande de subvention pour l'achat d'équipements pour la police municipale, donc demande adressée à la région Île-de-France.
Là, de quoi s'agit-il? Oui, quels équipements? Oui, c'est des véhicules. Il y a trois nouveaux véhicules et des gilets pare-balles. Les véhicules sont... Trois nouveaux véhicules, oui. D'accord, ok. Et 22 gilets pare-balles. Sont électriques, petit détail. Bien sûr. D'accord, bien sûr. Bien sûr. C'est... Ça tend sur sens. Bien sûr, exactement. Et puis, demande de subvention aussi à la préfecture de région pour la construction de la passerelle piétonne. Alors là, de quoi s'agit-il? C'est pas précis. Oui, oui, cyclopiétonne, monsieur. il s'agit de... Cyclopiétonne. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on sera piéton avec un vélo à côté. C'est bien, c'est une belle expression. Bravo, elle définit bien ce qu'est la situation. Vous verrez la suite. La participation de la préfecture va s'élever à 231 000. Le plan d'investissement sera le suivant, donc 231 000. Ah, celle-ci? Ah, non, c'est pas celle-là. Ah, non. On parle pas de la même chose. En fait, c'est pas la passerelle. Je parlais de cette chose. C'est l'ascenseur et la passerelle qui va nous permettre d'aller du boulevard Richard Wallace jusqu'à la gare. Ah, donc c'est pas la passerelle piétonne? Non. C'est là, indiqué comme ça. Chaque fois que vous parlez de ça, c'est pour ça que j'étais partie sur l'histoire. C'est une passerelle piétonne également, hein, avec son ascenseur. C'était d'ailleurs dans notre programme, mais ça a mis du temps. Dans le nôtre aussi. Oui, vous très bien, voyez. Donc, ça va faciliter l'accès à la gare. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a demandé donc, ce plan d'investissement, qui sera le suivant. Donc, 231 000 qui sont financés par Île-de-France Mobilité, 231 000 financés par la préfecture de région et 693 000 à la charge de la ville. Enfin, alors j'ai noté dans ces communications l'achat de deux installations interactives, Noki Nomo Datu, pour la nouvelle école Voltaire, pour un montant tout de même de plus de 110 000 euros. Donc c'est pas rien. Nous achetons deux installations interactives. Alors je suis allé regarder sur le site Noki Nomo, qui effectivement développe des écrans pour nous, hein. Qui développe donc des installations qui sont en fait des écrans géants de plusieurs mètres où effectivement des tableaux sur lesquels on appuie, il se passe des choses, des animations. Généralement, c'est installé dans des centres commerciaux. Et là, ça rejoint notre intervention, l'intervention de ma collègue Bouchra Sirsalam sur le fait que dans les écoles de plus tôt, désormais, les élèves sont entourés d'écrans, non seulement dans les classes avec les tableaux interactifs, mais également dans les parties communes. C'est-à-dire que dans l'entrée de l'école, il y a des écrans géants, c'est-à-dire que dans les couloirs, il y a des écrans, et les enfants sont plongés toute la journée dans des écrans, ce qui, d'après les spécialistes, est mauvais, surtout que là, il s'agit, j'imagine, pour une part de petits-enfants dans cette école Voltaire. Et nous sommes inquiets sur, effectivement, la mise en place permanente. Pas permanente, dans les... justement. Pas permanente, ces écrans sont actifs pas plus de 15 minutes par jour. C'est ce qui est fait et réalisé. Donc, on achète 106 000 euros d'écran pour 15 minutes par jour. Ok. 15 minutes par jour, oui, parce que c'est des écrans intéressants. Oui. D'abord, il y a des centaines d'enfants qui vont en profiter, c'est pas un enfant, et ce sont des écrans interactifs qui sont intéressants. Ceux des bergères, par exemple, apprennent aux enfants les tables de multiplication. Celui-là, je pense, sera dirigé vers les sciences. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Et au niveau pédagogique, on demande bien sûr l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale. Qui est tout à fait d'accord. Quelle sera la dimension de ces écrans? C'est comme un écran de télé, moins grand que ça. Hein. Donc pour 106 000 euros, on a deux écrans de télé de 106 000 euros. Mais oui, mais monsieur, vous savez ce que c'est que la technologie. Moi, j'aimerais bien qu'on nous donne moins cher, mais c'est comme ça. Hein. Eh ben, c'est ce sont des écrans interactifs, c'est pas comme votre tablette. Pour 106 000 euros, on achète beaucoup de jouets en bois dans les écoles, par exemple. On achète aussi d'ailleurs des jouets en bois. On élimine le plastique au maximum, mais il faut aussi agir avec son temps. Le temps, c'est l'écologie. Non, mais vous pourriez aussi éliminer votre tablette, ce serait pas mal, et votre caméra. Pour ça aussi, ce serait parfait. Ah, mais elle ne coûte rien à la collectivité locale, madame. Je sais que ça vous gêne. Non, mais peut-être que ça renvoie des ondes négatives. Et pardon, c'est pas ça. Vous savez que j'achète ça avec mon propre argent, ce n'est pas celui de la collectivité. Mais ça, peu importe.
Peu importe, il y a des gens, Je ne sais pas si pour ma santé, c'est de la dépense publique. Y a-t-il d'autres questions sur les communications? Merci, madame, de vos réponses. Merci, donc dont acte. Question numéro 5, il s'agit de la présentation du plan mercredi. Donc, s'il s'agit des accueils du Bois-Dire, qui doivent respecter la charte de qualité plan mercredi. Nous avons élaboré, vous savez, on était passé au conseil municipal un PEDT. Il convient, bien entendu, de le renouveler. Donc, je vais laisser la parole. Alors, d'abord, peut-être pour le rapport à Mme Girard, et ensuite, madame. Le plan mercredi vient désormais compléter le projet éducatif territorial et s'appuie sur les grands axes suivants. Complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et scolaires. Inclusion et accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l'accueil de loisirs, en particulier les enfants en situation de handicap. Inscription des activités périscolaires sur le territoire et en relation avec les acteurs. Proposition d'activités riches et variées en associant des sorties éducatives et visant à une réalisation finale. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du plan mercredi. Merci. Peut-être qu'avant de voter le rapport, je vais demander à madame Grouf donc d'aller un petit peu plus à l'heure. Au fond, on va vous présenter ce PEDT, Donc effectivement, le plan mercredi vient décliner le PDD qui a été renouvelé en avril dernier. Les intentions éducatives ont été rappelées et évidemment ces intentions, on les décline avec des partenaires locaux qui sont engagés dans le plan mercredi. Donc c'est le conservatoire Jean-Baptiste Lully avec qui on a mené une action très intéressante au dernier trimestre 2018, puisqu'on a créé une chorale à partir de tous les accueils de loisirs élémentaires autour des chants de Noël et la réalisation, et ça c'était important et valorisant pour les enfants, a été donnée lors d'un concert avec les Stentors au théâtre de Puteau. Le Naturoscope est également un partenaire important, il accueille les enfants tous les mercredis matins pour des actions de sensibilisation à la biodiversité. Et ça rentre assez bien en complémentarité avec ce qui se fait au sein de l'école, puisque le Naturoscope intervient énormément au sein des écoles pour, dans les classes, animer des séances d'information et de sensibilisation à la biodiversité, à la lutte contre le gaspillage. Évidemment, c'est un peu plus ludique, on a un peu plus de temps dans le cadre de l'accueil de loisirs. Donc, on a aussi des activités avec les enfants de jardinage, de pêche, etc. La maison du droit et de la famille qui intervient à la fois auprès des enfants sur des actions de sensibilisation autour de problématiques telles que le racket, les réseaux sociaux, le harcèlement scolaire, mais qui intervient également auprès des animateurs et des professionnels de la petite enfance d'ailleurs, pour également les former. Les bibliothèques scolaires également, qui peuvent intervenir le mercredi matin, et on a eu un événement très sympathique, puisque on a participé à une manifestation nationale qui était la nuit de la lecture. Médiathèque, la restauration scolaire, je n'y reviendrai pas, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Des actions sont menées à la fois par les animateurs et les animatrices des accueils de loisirs, mais également par des intervenants. On peut citer l'initiation à l'anglais, le Naturoscope, j'en ai parlé, l'association Play and Prog qui développe des activités de codage et de programmation, art plastique avec une intervenante qui travaille dans les centres de loisirs autour de matériel recyclé. Les activités sportives avec les professeurs de sport du palier sport. Le palier de la culture qui intervient également en nous proposant des initiations à la photographie. Et enfin, le yoga et une valeur sûre depuis plusieurs années, la magie. La maison du droit, Brick for Kids qui s'adresse plus aux enfants d'âge maternel. Il s'agit de construire des petits robots. Le conservatoire, l'intervention musique, Enjoy, qui est une association qui nous accompagne autour de la sensibilisation au handicap, à la fois sur la langue des signes, mais également sur
une journée pour laquelle on verra peut-être une photo d'ailleurs, c'est pas Cap Handicap, où on a créé des mises en situation pour que les enfants comprennent un petit peu les difficultés et la nécessité de solidarité avec les personnes en difficulté auto-mentale. Les ATSEM qui viennent le mercredi matin, alors ça c'est très intéressant, les ATSEM en école maternelle, parce qu'elles constituent vraiment pour les petits le fil rouge entre l'école et l'accueil de loisirs. C'est vraiment un repère très important qui fait le relais avec les animateurs, et on est vraiment satisfaits, et elles aussi, puisqu'elles ont un diplôme qui est le CAP Petite Enfance, et qui leur permet, à la différence de l'école, de mettre en place des activités en direct et de les animer. Et tu as noté que nous avons des ATSEM dans toutes les sections maternelles. Tout à fait. 66 ATSEM, plus 2 volantes. Rapidement, donc, autour de la solidarité, bien vivre, c'est donc évidemment avec la maison de droit. C'est également des rencontres intercentres. Et là, l'accueil des loisirs des bergères est assez moteur sur le sujet. C'est faire participer les enfants à des manifestations nationales. Donc, je citerai une IDES récemment, mais c'est aussi le 22 novembre autour de la journée des droits de l'enfant. Les enfants se sont associés à la célébration de la journée des droits de la femme. Chaque accueil de loisirs élémentaire a travaillé sur une femme célèbre. Là, en l'occurrence, c'était Pierre et Marie Curie. Mais la direction de la restauration s'est mise aussi au diapason, puisqu'on a proposé des chefs cuisinières. Évidemment, c'était une action qui était menée, Madame Anselme le sait bien, avec les CCJ, qui ont participé au jury pour remettre les prix. Donc rassurez-vous, tous les accueils de loisirs ont eu le prix. Il n'y a personne qui s'est senti discriminé. On a valorisé la participation. L'initiative et la créativité, on a développé une activité intéressante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les accueils de loisirs, ce n'est pas normatif. Chaque accueil de loisirs travaille à partir d'intentions éducatives et l'équipe fait ses propres projets. Et ce n'est pas les mêmes projets qui sont réalisés dans tous les accueils de loisirs. L'accueil République a travaillé sur la petite gazette de République, donc le petit journal de l'accueil des loisirs qui reprend à la fois toutes les activités qui sont menées, mais aussi les sujets de préoccupation des enfants. L'Arche Noé a participé au Festival de la BD et on a développé un petit concept depuis 2018 qui est de créer la passerelle avec le collège en fin d'année. Donc quatre collèges et la rotonde organisent une soirée, le bal des CM2, qui vont nous quitter pour devenir grands et passer au collège. Cap le handicap, j'en ai parlé. La citoyenneté, c'est aussi travailler sur nos devoirs de mémoire. Et 2018 a été l'occasion de travailler avec les enfants sur le 11 novembre. Et ce travail s'est finalisé par une représentation très théâtrale qui a eu lieu dans la cour de l'école République avec un comédien, deux comédiens, un comédien et un âne, et c'était la vie d'un poilu. Pas tout à fait comme les CCJ, on commence à développer les conseils des enfants au sein des accueils de loisirs, donc c'est la rotonde qui en a pris l'initiative. Donc les enfants sont élus parmi leurs pairs et sont invités à donner leur avis sur le fonctionnement différents temps d'accueil de loisirs, hein, c'est pas seulement le mercredi, c'est aussi les vacances, la pause méridienne, le temps du matin et le temps du soir, et être à l'initiative de propositions, de projets et d'activités. L'ouverture sur la ville et les métiers, c'est tout le travail qui est fait avec la maison du droit. Donc les enfants rencontrent un avocat, rencontrent la police municipale. D'ailleurs, au mois de juillet, nous démarrons les déjeuners avec la police municipale dans le cadre des accueils de loisirs. Ça fera sûrement suite à une action prévention autour de l'usage de la trottinette. Et ensuite, les policiers partageront un temps de repas avec les enfants pour parler de leur métier et pour parler de citoyenneté et de comportement civil. Le respect de l'environnement, j'en ai parlé, c'est essentiellement avec le naturoscope.
sur la partie culturelle. Donc, on a parlé du conservatoire, mais on a aussi je vais aussi vous parler de la thématique autour de Jean de La Fontaine, qui a été travaillée toute l'année autour des spectacles de Noël, d'expositions qui ont été visitées et qui ont servi de fil rouge pour la réalisation du carnaval. Et donc quelques focus. Donc le conservatoire, donc là c'est pas la chorale, mais c'est l'accueil de loisirs Parmentier maternel qui a passé la journée au conservatoire, découverte des instruments, écoute des élèves musiciens, dialogue avec un violoniste et participation à